À part ici, ça c'est terminé à 100%, ça c'est pareil. Après le reste, il y a encore un petit peu de crime à comment dire, pas à faire, mais à arrêter, voilà. Et je sais pas si ça s'entend, mais je suis un peu malade, donc je vous prie de m'excuser, hein, mesdames et messieurs, si jamais il m'arrive de tousser et de vous exploser les oreilles. Mais ça, c'est les aléas du live. Voilà. Bon, on va s'y mettre tout de suite et puis comme ça c'est réglé. On va aller tout de suite rejoindre la mission tout là-haut qui consiste à aller récupérer l'anti-sérum avant que Martin Lee ne le chope. Et puis voilà, on commence déjà par ça et puis on verra la suite. Allez, c'est parti. Il faut que je trouve cet anti-sérum et que j'arrange les choses. Il doit bien y avoir un moyen de contacter Lee et Otto. Je dois les convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance. Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité. Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties juste pour Norman. Ok. Norman est parti chercher l'antisérum. Il faut que je prévienne Yuri. J'espère que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oscorp vient de mettre au point un antisérum. On a un remède? Oh, Dieu merci. Vous pensez qu'on peut le diffuser rapidement? Ouais, je dirais ça au labo. À l'angle de la 10e et cathédrale. Minute. On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de soucis, je gère. Ce sera bientôt fini, promis. Voilà, donc, c'est la guerre. Toujours et encore. Appel à toutes les patrouilles. Un camion je me disais. Portant un engin explosif a pris la fuite. Le signalement provient de Lenox Hill. J'ai eu peur qu'on n'ait pas de crime avant d'arriver sur place. J'ai failli avoir peur. Hop, alors, la petite voiture. Bienvenue au drive. Ah, bombe dans le camion, je dois la désactiver. Oui, je veux bien. Alors attends, il y a des gars partout. Fort. Il faut au moins reconnaître que les démons favorisent l'embauche. Il y a une bombe dans le camion. Je dois l'éloigner des civils. Mais il y a du monde partout ici. C'est quoi cette histoire? Mais cassez-vous! Vite, vite, vite. Voilà. Attends, non, il y a un ennemi encore. Excusez-moi. Monsieur, bonjour. Combien de poubelles pouvez-vous manger? Non, bah, c'est bon. Je parie à 10 contre 1 qu'ils avaient même pas leur permis. Voilà, un crime de plus. Ou du moins de moins. On a encore quelques-uns à faire et puis ça ira hein, au fur et à mesure. On va avancer. Qu'est-ce que c'est que la guerre? Les gars de sable peuvent peut-être gérer, mais je vais pas prendre de risques. Hé, hey, je suis pas avec eux, mais je vais quand même vous donner une bonne leçon. Vous allez devoir vous calmer les gars quand même, hein, parce que là... Ouh, il se l'est même pas pris, quelle tristesse. Au moins ils s'entendent tous sur une chose, ils veulent tous ma peau. Ok, parfait, avançons. La suite. Ah bah voilà. Il y aura que ça. On va pas réussir à sortir de ce quartier jusqu'à ce qu'il soit complété avec tous les
Utile de rameuter les types de sable. Voyons si je peux démanteler cet avant-poste avant qu'il me repère. Tu m'étonnes. Oh, une fête pour moi? Avec des projecteurs et... Ouf! Alors mec. C'est presque flatteur que ça vient installer tous ces postes rien que pour choper ma petite personne. Bon, Central Park, il y a rien. Donc on va le contourner. Parce que si dans ce quartier-là, je peux encore faire quelques crimes au passage, pourquoi pas. Je vais faire le tour, hein. Ça va me prendre un peu plus de temps, mais au moins j'aurai peut-être la chance d'avoir un crime en plus. Voilà. Alors, par là-bas. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Des démons, des criminels, lambda, non. Non. J'ai oublié ma carte d'identité. Mais je peux vous prouver qui je suis en vous bottant les fesses. Aïe. Étouffe-moi ça. Je dois faire tomber toutes les tours si je peux. Ça fera déjà ça en moins de boulot. Il n'y en a plus de tours de snipe. Ok, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ça fonctionne pas. Ouais, m'étonnerait, tiens. Hop, voilà. Je vous en prie, les gars. Ah merde, ça va pas. Non mais... Ah, du coup, je les ai tous utilisés sur ces débilus. Sérieux? Oh. Encore un. Il court. Ah, c'était pas prévu au programme, ça. C'est bon. Ça, c'est good. Mission, elle est un peu plus par là-bas. On contourne au maximum. Avec un peu de chance. On finit quelques quartiers. Il veut pas tourner, que je puisse couper. Ah non, c'était pas le bon là. Salut. Bonjour monsieur. Et puis le petit dernier de la bande. Et le conducteur. Et ben voilà. Parfait. Il est où le problème? Je n'en vois aucun. Ouais, si. Finalement, j'en vois peut-être un. Je vois peut-être un problème finalement. Et le petit gars là, donne-moi ton arme, toi, tiens. Et voilà, c'est bon. Tout le monde descend. Tout le monde est content. C'est parfait. Allez, 200 mètres cette fois-ci, on va peut-être pouvoir y aller.
Ouvrez. Je dois m'occuper de ces démons avant de suivre Oli dans le labo. Je vais mettre ces snipers KO. Ouais, bah là c'est un sale temps. Pour Norman et pour être mercenaire aussi, tiens. Sans danger, alors je l'éclate. Lui, c'est pareil. Ensuite. Est-ce qu'il y a encore des snipers? Il y en a un par là-bas. C'est qui il est le monsieur? Et il est carrément dans une fenêtre ou c'est moi qui rêve là? Attends, comment on va faire lui? Voilà. Ça c'est propre. Ensuite, je dois pas perdre de temps avec il y en a un là et il y en a un là. S'emparer de l'antisérum. Faudrait que j'arrive à les avoir l'un après l'autre. Je peux pas le viser lui. Danger. Pour l'instant, ouais, il y a danger. Mais bientôt, il sera hors de vue. Voilà. Viens là. Viens te faire attacher. Coucou, Spanier. Ok. Ensuite. 3, 4. Il y en a deux plus loin là-bas. Faudrait que j'arrive à les éliminer tout doucement. Ou tous en même temps. Ça sera encore mieux. Alors voilà, ça. Je n'étais pas supposé être là, là. Je n'étais pas supposé me retrouver aussi bas. Ok, alors ces deux-là, ils se sont pris un petit truc dans la gueule. Ces deux-là, ça risque d'être un peu plus compliqué. À moins que j'arrive à le choper, lui. Sans danger, hop. Choper. Attacher. Il a pas vu venir celle-là. Il est tout seul là-bas. Sans danger. C'est réglé. Spider-Man, partez immédiatement. Mes hommes contrôlent la situation. Contrôle que dalle. Lee a balayé les agents postés ici. Vos hommes ne contrôlent rien du tout. Je vous aurais prévenu, super-héros. Lui, je peux l'avoir. Voilà. Et eux, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je devrais pouvoir le faire. S'il y en a qui va voir là-bas. Non. Ok, ça peut-être. Sur quoi je peux tirer? Ça, ça fait pas assez de bruit. La caisse en face, c'est mort. Il y a une caisse de ce côté-ci. Ok, non, c'est pas bon. On doit laisser cette tour. Essaie de pas te faire repérer. Ok, voilà. Et le petit dernier avec son lance-roquette, là. Il est tout mignon, il est tout seul. Voilà. Ensuite. Sable, prends les choses au sérieux. Ces types-là vont pas me faire de cadeaux. Non mais vous êtes sérieux. Nos agents, Spider-Man. Il est temps d'en finir. Vous croyez que c'est moi qui ai décimé vos gars? C'est une blague, j'espère. Attaquez! Attaquez!
Bon, alors. Ils sont quand même un peu plus nombreux que ce que je pensais. J'aurais pensé qu'il n'y en avait que 3 qui arrivaient dans les airs, là. Mais non, non, ils sont assez nombreux, finalement. Tiens, mec, cadeau. Si seulement ça avait pouvait marcher la grappe. On pourrait bosser main dans la main. Il est où, lui? Viens là, toi. Voilà. Démon et sable hors jeu. Je vais chercher Lee à l'intérieur. Mais pourquoi c'est si lourd? Vous avez agressé mes hommes, détruit mon équipement et fait perdre des millions à mon client. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Écoutez, je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Mais Lee détient votre client dans ce bâtiment et il va le tuer si on n'agit pas rapidement. On peut s'affronter ou affronter Lee, mais pas les deux. Ça veut dire qu'on est cool ? Vous allez m'aider à récupérer Norman. Après ça, je ne vous promets rien. Ça me convient. Il est hors de contrôle. Oh. Allez sauver Osborne. Je vais leur parler. Bien, les amis. Elle a une manière de parler bien à elle, okay. Pour le coup. Fini de courir. Ça a assez duré. Oula. C'est de la folie, ce truc. Je dois trouver un moyen de parler au Martin Lee que je connais. L'homme qui a bâti le centre Christ. Je vais devoir piquer une tête. Va-t'en, ça ne concerne que moi et Osborne. Je sais pour l'accident. Je sais ce qui est arrivé à vos parents. L'accident? Tu es aussi insensible, Osborne. Mes parents sont morts à cause de moi, à cause de ce que m'a fait Osborne. Votre passé ne vous définit pas, ne laissez pas vous contrôler. Je me suis donné tellement de mal pour que mes parents soient fiers, pour faire honneur à leur mémoire. Mais pour véritablement leur faire honneur, Osborne doit être châtié. Je ne vous laisserai pas faire ça, Martin. C'est la douleur et la colère qui alimentent son pouvoir. C'est le seul échantillon. Non ! Non, Martin ! Je te l'ai dit, je suis désolé. C'était un accident. J'essayais de t'aider. Vous n'aidez personne. Vous les exploitez. Ça ne ramènera pas vos parents. Pourquoi tu tiens tellement à sauver cette sale pourriture? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin. Ne laissez pas la haine gagner. Résistez!
doit être puni. Osborn mérite d'être traduit en justice. Et pour ça, vous devez arrêter tout de suite. Je ne m'arrêterai jamais. J'ai plus rien à lancer là, les gars. Ça, ça prend pas. D'accord. Il y a des choses là-bas. Ah, bouffe. Bonjour. Voilà, là j'ai encore un truc à balancer s'il faut. Maintenant. Non, allô. Ah, bouffe. Y'a un autre à balancer là. Oh, donnez-moi des trucs. Je veux jeter des choses. Oula, bonjour. Maintenant. Ce n'est pas vous. Exactement, je suis. Ouf, ok, j'étais pas prêt pour ça. Alors, je sais pas s'il y a d'autres choses à jeter. Ou si je dois seulement esquiver. Il y a des chances que je doive esquiver seulement. Tu seras complice des crimes d'Osborn. Je suis complice de rien du tout, moi. Malheur. On a du mal à finir Spidey. Battez-vous, Martha. Vous pouvez vous en sortir. Non. Osborn doit souffrir. Bah ça va être marrant ça, tiens. Je sais que vous pouvez battre le démon, Martin. Battre le démon? Mais je suis le démon. Aïe. Aïe. Ok, là il faut que je saute ça, quand c'est ça. Un gros démon. Méchant, le démon. Osborn et toi partagerez le même tombeau. Non. Ah, chaque fois je me fais avoir. Il fait un move et puis derrière. Ils ont récupéré des armes. C'est incroyable. Je me fais absolument péter là. Tu n'aurais pas dû te dresser contre moi. Ok. Là c'était un peu plus compliqué que prévu, je l'avoue. Je me suis fait dépasser.
Je sais pas comment je vais pouvoir faire. Il y a pas moyen pour monter quelque part, si. Moi, ce qui est bien, c'est que je recommence. Ah! Eux, ils prennent ou pas? Ouais, ils prennent. Comment elle a réussi à m'avoir là-dessus? Continuez, il est presque KO. Cette façon, Martin. Incapable. Tu en fais une tête. Si tu savais à quel point ça me rend heureux. Prêt à faire ta sortie ? Urgent pour l'instant. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital. Au fist.